match contre la deuxième, qui vient de l'autre région, mais qui est très 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 important pour la suite. Ça joue très bien ballon. Et seul moyen qu'on gagne équipe là, qu'on est très fort en défense et qu'on essaie de jouer plus longtemps en attaque. C'est des joueurs d'expérience et ils lâchent pas les balles comme ça. Essayez de s'appuyer sur votre copain à côté, communiquer entre vous. On va pas faire cadeau ici, chez nous. Belle équipe, respect, mais montrez que vous êtes premier, mon Dieu. Vous êtes premier, vous, c'est pas eux. Les stars du handball sont 50 ans, tu sors de gamin, de Pôle Espoir, tu sais ça, hein? Montre que tu es meilleur comme lui, là. On va gagner sur toi, Max. Fix, t'es là, on va gagner sur vous, mes enfants, essaie pas de me mettre tes ballons n'importe comment. On a besoin de tout le monde. Le coach nous avait parlé qu'à un moment donné ils allaient quand même lâcher, mais ils ont tenu, ils ont vraiment tenu, mais nous aussi on a tenu bon et on a mis les buts qu'il fallait. Je suis très fier, je félicite, mais bon, on a montré quand même qu'on est leader et qu'on défend bien notre biftec et surtout sur notre terrain. Et d'avoir un public, on l'a vu ce soir, c'est difficile quelqu'un qui nous batte ici. On est content. On savoure, on a beaucoup de travail, on a Salomé avec les blessures. Ah, je suis très content. Je suis très content parce qu'on achète un peu de tranquillité. On a pas fait le meilleur match de l'année. On s'en bat les couilles. On a mis des cœurs, on était un peu plus concentrés jusqu'au bout pendant 60 minutes. Et là, on leur a montré que même s'ils ont plus d'expérience que nous, on a réussi à gagner. Et il nous reste juste 7 jours à taffer contre Nanterre et après, on est supérieur. Allez les gars, 7 jours. Allez. Équipe! Thank you.